Bon, on peut dire aussi notre faveur sans que cela se passe au préjudice de Michael Chang, mais c'est vrai qu'il a une, il y a une cote d'amour à Paris pour Jimmy Connors, ce qui fait que si on souhaite sa victoire, on se dit quand même, c'est pour essayer de compenser un peu, parce que moi, honnêtement, je vois gros comme une maison, je vois Michael Chang. Oui, en plus, Daniel, il faut tout de même ajouter que même si Jimmy Connors avait aujourd'hui 25 ans, ça ne changerait peut-être pas grand-chose au problème, parce que je crois, pour ce qui me concerne, que Chang est un meilleur joueur de terre battue que Connors ne l'a jamais été. D'abord parce qu'il a gagné ici à Roland-Garros et que Jimmy n'a jamais réussi à le faire, premièrement. Ensuite, parce que même un peu hors du coup l'an dernier, il a quand même réussi à se faufiler au troisième tour. Et je crois que Michael Chang, d'une manière ou d'une autre, ne sera peut-être pas le joueur qu'a été Connors, sur toute surface confondue, probablement pas. Mais je pense que sur terre battue, il sera l'un dans l'autre meilleur que Connors l'aura été dans sa carrière. Donc, Je vais quand même un petit peu vous reprendre là sur le fait que Jimmy n'a jamais gagné à Roland-Garros. Ah non. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Il a gagné 109 tournois dans sa carrière, le premier en 1972, le dernier en 1989 en Israël à Tel Aviv. Mais il faut quand même se rappeler, je l'ai dit l'autre jour lors de son match contre Agenor, que Jimmy Connors, une année, comme il jouait un truc qui était totalement bidon, qui s'appelait un interville, où les joueurs jouaient en équipe et en cours de jeu, on pouvait refaire remplacer un joueur par un joueur de la même équipe. C'était un truc totalement bidon qui n'a jamais été reconnu par les instances du tennis mondial. On l'avait interdit de Roland-Garros une année. Et les années suivantes, il a dit, puisque vous n'avez pas voulu de moi l'année dernière, c'est moi qui n'irai pas vous voir les années suivantes. Le résultat, c'est qu'effectivement, il a été longtemps absent de Roland-Garros. Et que c'est ça, il avait qu'à y venir. À mon avis, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais enfin, s'il n'a pas gagné Roland Garros, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'est jamais parvenu à gagner. Ben si, c'est... puisqu'il non, a participé quand même sept fois. Il a participé sept fois, mais il n'était plus dans sa meilleure, dans sa meilleure forme quand même. Ah si, au début, hein, dans les années 80, il était encore complètement dans le coup, hein, Daniel. C'était encore le grand Connors qu'on a vu. Ah, si. Non, je crois, non, sincèrement, c'est pour ne pas polémiquer. Non. Je crois quand même que Connors fait partie des joueurs, au même titre que Becker et Berg. Même si Becker gagne à Roland-Garros cette année, l'un dans l'autre, dans l'année, il sera meilleur sur surface rapide qu'il ne sera sur terre battue. Jimmy Connors, sa carrière était meilleure sur surface synthétique et sur indoor et sur herbe qu'il a été sur terre. Enfin, il y a des préférences, donc c'est la raison pour laquelle je dis ça. Parce que les tournois qu'il a gagnés sur terre battue, car il en a gagné. Il a été plusieurs fois champion d'Amérique, à Indianapolis en particulier, mais sur une terre battue qui, elle aussi, était particulière. Oui, c'était la terre battue américaine, bien plus rapide que la nôtre. Donc, il a su faire des choses formidables quand il a joué sur terre battue. Mais je crois que, simplement, ce n'était pas sa meilleure surface. Ça, c'est évident. Bon, alors, effectivement, nous avons, face à Jimmy Connors, 38 ans et demi, 109 victoires, nous avons un Michael Chang qui a donc 19 ans depuis le 22 février, qui mesure 1m73 pour 65 kg et qui est actuellement 10e joueur mondial. Dans sa carrière, il a remporté 4 tournois. Rappelez-vous qu'en 89, il a remporté ici même Roland Garros, et puis après il a remporté le tournoi de Wembley. Auparavant, en 88, il a gagné à San Francisco, et puis en 90, il a gagné l'Open du Canada. Cela dit, on attend toujours un peu la confirmation. L'arbitre de chaise étant Bruno Rebeun, l'arbitre français que l'on connaît de longue date, que l'on a vu souvent officier. Voilà, à l'applaudimètre, vous avez entendu les applaudissements pour Chang, les applaudissements maintenant pour Connors. Pas besoin de vous dire vers qui vont les préférences du public. Alors, Jean-Paul, moi j'attends un petit peu quand même la confirmation de Chang ici à Roland-Garros depuis sa victoire de 89. Hein, Oui, il va falloir que Michael Chang, cette année, rappelle au monde du tennis qu'il est un vainqueur du Grand Chelem. Qu'après cette victoire, on a un peu dit « bon, c'était peut-être un accident, il ne sera jamais très 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 fort, etc. » Je crois que Michael Chang a à présent digéré
cette victoire qu'il avouait lui-même être très précoce. Et il disait lui-même qu'il avait gagné un tournoi du Grand Chelem, mais ça n'en faisait pas pour autant le meilleur joueur du monde. Il a été très lucide à ce sujet. Ce qui fait que maintenant, Michael Chang a à la fois l'âge, la maturité, le physique, les progrès effectués pour montrer à tout le monde qu'il fait vraiment partie des meilleurs joueurs du monde. Il est à l'heure actuelle à la 10e place du classement ATP, donc il est dans les 10 meilleurs, mais enfin, un vainqueur du Grand Chelem doit normalement se situer voilà. entre 1 et 6. C'est ce que je voulais dire. La meilleure des preuves, c'est que Guy Forget, qui n'a pas remporté le tournoi du Grand Chelem, se trouve actuellement à la 7e place. Et que Agassi, qui n'en a pas remporté non plus le Grand Chelem, se trouve 5e. Tout à fait. Alors c'est Michael Chang qui est au service. Voilà donc le premier jeu qui se termine et qui est marqué par Michael Chang. Jimmy Connors, recordman des titres gagnés chez les hommes, 109 titres, quelle longévité. De 72, début 72 à 89. Ah, c'est phénoménal. 109 titres gagnés. C'est pas le maximum. Hein. Le maximum, c'est Chris Evert qui en a gagné 157. Elle est talonnée d'ailleurs par Martina Navratilova qui en a gagné 154. Mais, encore une fois, la statistique qui prouve que chez les femmes, il est tout de même plus facile quand on est au haut niveau de s'imposer parce qu'il y a un tiers de tournoi de plus de gagner entre 100 et 150, c'est énorme comme différence. Hein. Et ils ont commencé en même temps, Chris Evert et Jimmy. On ne peut pas dire que Chris ait été
de son côté, beaucoup plus forte que Jimmy du côté masculin. C'était deux champions énormes avec leurs qualités propres. Quelque chose que nous ne connaissions pas à Michael Chang, qui est plutôt économe de ses efforts et calculateur d'une certaine manière. Pourcentage tennis, c'est son affaire. Il a balancé, il a un grand coup droit qui est parti à 10 mètres, oui. Mais aussi il mène 40-0. Ça donne quelquefois envie de faire ce type de coup. Oh là. Je, Michael Chang, qui mène donc 2-0 dans cette première manche. Quel malheur, c'était tellement bien attaqué, mais le passing était bien adressé. Vous avez vu, demi-volée très très difficile à effectuer. À monter en coup droit dans la foulée. 15-0. La solution pour Jimmy, c'est d'essayer probablement d'écourter l'échange et de prendre le filet à la première occasion, je pense. C'est ce qu'il avait déjà comme obligation contre Agenor. Il a réussi à le mettre en pratique sur la fin du match surtout. Beaucoup de fautes là pour l'instant. Hein. Oui. Pas beaucoup de points vraiment gagnants. Vous l'avez vu, faute, Jean-Paul ? J'ai eu le sentiment qu'elle pouvait être dehors, mais au rebond, subitement, j'ai eu l'impression qu'elle avait plus d'effet lifté que prévu et qu'elle était retombée dedans. Mais Chang, qui est très, très suspicieux de nature pour ce qui est des jugements, n'a manifestement pas prolongé la discussion, donc il a dû voir la marque dehors. Jimmy lui a montré, Bruno Rebeu n'a même pas jugé nécessaire de se déplacer. Alors 15-40.
faute. Et acclamation pour Jimmy Connors qui marque son premier jeu en prenant le service de son adversaire qui réduit donc Jimmy, réduit l'écart puisque Chang avait commencé par prendre le service de Connors avant de gagner son engagement. Enfin disons l'inverse, Connors avait perdu son service d'abord, Chang a gagné et puis voilà Connors qui revient et qui va servir dans un instant. Un match qui pour l'instant est encore un peu en dedans de ses possibilités réelles parce que il n'est pas exclu que Chang soit vraiment méfiant devant la prestation possible du vieux lion. Et puis Connors qui après ce qu'il a produit sur les deux premiers tours est peut-être en train de se dire ma foi, j'ai si bien joué les autres fois que rien n'est impossible, peut-être que j'arriverai à croquer ce petit jeune homme au troisième tour et après on verra. Donc il y a là un peu de méfiance de part et d'autre et on le comprend, le jeu ne s'est pas encore réellement libéré. Néanmoins, vous en êtes aperçu Daniel, Chang a déjà commencé le travail de sap sur le plan physique car il promène beaucoup Jimmy Connors de droite et de gauche, d'arrière en avant, et ça, il est évident qu'à la longue ça risque de peser lourd. C'est sûr, car là, il n'y a que 12 minutes de jeu. Mais au bout de 2 heures, par exemple, eh bien, on va voir dans quel état Jimmy sera. Oh 15-0. Il rend coup pour coup, là, du moins dans le jeu précédent. Les deux premiers sont un peu oubliés, car il y a eu beaucoup trop d'erreurs côté Jimmy. Prise très très tôt et la faute. Ah, c'est bien retourné, hein. 15-40. Il faut abréger l'échange, mais peut-être avoir des montées au filet plus performantes. Sinon, la sanction est immédiate. Il s'en sort bien car sur la balle précédente, Chang avait pris la ligne, la balle avait fusé et Jimmy a repris la balle sans la centrer parfaitement dans la raquette. Cette balle est montée, elle est retombée bonne et puis après c'est Chang qui a fait la faute. Mais une balle qui prend sur la ligne
3 fois sur 4, c'est une balle qui sera bonne pour l'adversaire, car la ligne provoque des rebonds inattendus, ça fait fuser la balle. Encore une balle de 3 jeux à 1 pour Michael Chang. Ah oui, super. Ce qu'il n'était pas parvenu à faire du fond du court tout à l'heure, c'est-à-dire prendre cette balle en revers très très tôt, il l'avait envoyé, rappelez-vous, dans le filet, eh bien il va le réussir ici, en avançant bien. Tac. Et voilà, il a transformé à son profit l'énergie et la vitesse de la balle. Ça le met à 40 à. Et s'il parvient à prendre son service, il faudrait 2 jeux partout et on pourrait dire à ce moment-là que vraiment le match commencera. Mais enfin, on n'est pas à 40 à. On n'est pas encore à 2 jeux partout, on est à 40 partout. Mais ces 2 premiers jeux manqués par Connors risquent de peser un peu lourd dans la balance du premier set. Travail de sap. Avantage. S'en sort bien, belle défense de Jimmy, mais il est vraiment à l'agonie dans l'échange là, hein, parce que lorsque Chang se met à accélérer, eh ben c'est redoutable. Hein. D'ailleurs, Jimmy, dans l'autre coup, du coup, est allé s'asseoir. Superbe montée en 2 temps avec 2 balles dans les angles et avantage Jimmy Connors. Avantage Connors. Dès que Michael Chang monte un peu la balle, dès que la vitesse qu'il lui donne permet à Jimmy Connors d'assurer son placement et d'avancer, car c'est un joueur qui joue d'autant mieux qu'il peut avancer, comme on le voit là. Toujours ce merveilleux coup droit dans la foulée. Eh bien, alors Jimmy arrive à développer son jeu. Mais comptons sur Chang pour l'empêcher de faire ce genre de choses trop souvent. Voilà. Voilà donc Jimmy qui rétablit l'équilibre, qui après avoir perdu les 2 premiers jeux, gagne les 2 suivants. 2 jeux partout. On peut dire là maintenant, un peu Jean-Paul, que le match commence vraiment. Nous sommes en plein dedans à présent. Jimmy Connors a déjà à 2 ou 3 reprises été reprendre son souffle sur l'extérieur du court et Chang, lui,
n'a pas du tout envie de rentrer dans les facéties de Connors, car il sait que ça va le déconcentrer. Il a envie de rester complètement concentré sur son sujet et de ne pas se laisser embarquer. Et il a raison. Pas un point marqué par Jimmy Connors ici dans ce jeu. Et voilà Chang qui mène 3-2. Tout le problème, Daniel, nous pouvons y revenir encore une fois et puis après nous laisserons nos amis téléspectateurs juger de la véracité de ce que nous avançons. Tout le problème sur ce match, c'est le temps dont disposera Jimmy Connors pour déployer son jeu. Ceci veut dire que si Chang attaque et agressé par des balles très longues de Jimmy Connors renvoie dans le court sans avoir d'agressivité sur sa balle, Connors peut le balayer, peut le balader. Mais si par contre c'est Chang qui dès la première frappe pose un petit problème de vitesse à Connors qui ne pourra pas se déplacer comme il l'entend et qui ne pourra pas ajuster la balle en avançant car il ne joue pas bien quand il est dans l'obligation de reculer, alors à ce moment-là le jeu risque d'aller très rapidement à l'avantage de Chang parce que on verra à ce moment-là que la vitesse de Jimmy Connors eh bien, sera défaillante du fait même de l'âge qu'il affiche, c'est-à-dire près de 40 ans. Et personne ne pourra lui en vouloir et personne ne pourra le critiquer, mais la nature est ainsi faite que la vitesse se perd à partir de 30 ans d'une manière très sérieuse et c'est pareil pour tout le monde. C'est sûr, on le constate avec Ivan Lendl, on le constate avec John McEnroe qui tous deux ont dépassé, ont passé le cap des 30 ans. 3-2, Michael Chang, première manche, Connors au service. Ah, ça c'est une balle que Chang lui a livré et voilà ce qu'il est capable d'en faire. On peut lui faire confiance, il saura saisir la moindre occasion. 15-0. Ça, c'est assez rare chez Jimmy Connors. Il place bien ses services, mais la puissance de ce coup n'a jamais été exceptionnelle, moyennant quoi un ace de sa part est assis. Pas d'accord, Jimmy. Avec le rebond, j'ai cru que la balle avait touché un peu la ligne et qu'elle avait rebondi, mais c'est l'arbitre de chaise Bruno Rebeu qui a jugé cette balle de service faute. Et Jimmy n'insiste pas, 30-15.
peu partout. Avec quand même un beau jeu d'attaque de Connors qui, à son tour, a baladé son adversaire. Regardez le chemin que parcourt Michael. Si le plus jeune des deux lui laisse le temps, il n'y aura aucune question. Connors en profitera. Il finit par être épuisé, Jimmy, car pour expédier un coup droit dans le bas du filet, la balle a rebondi avant d'atteindre le filet. Il a fallu qu'il perde complètement l'équilibre. Mais cessez de vous gosser. Non, mais il a fait un tel effort extraordinaire que oui, je me demandais à quel moment il allait craquer et il a mis longtemps. Il est arrivé un peu désuni là sur ce coup, effectivement. 30-15. Quatre jeux à trois pour Michael Chang. Regardez comme il a le visage fermé, décidé. Il y a un sacré contraste entre... Voilà comment il est lobé par ce lob lifté. Il y a un contraste entre le visage fermé et hyper sérieux de Michael Chang et puis celui de Jimmy Connors qui, de temps en temps, plaisante avec le public. Regardez, là, maintenant, il a lancé sa raquette, étant battu. Tout à l'heure, sur le grand coup droit que Chang a envoyé dans les bâches, il a fait le geste du juge de ligne en tendant le bras pour montrer que la balle est dehors. C'est vrai qu'il aborde ce match avec la même décision, la même intention de gagner que Michael Chang, mais avec des signes apparents de décontraction. Je pense que connaissant bien l'individu, sa décontraction ira jusqu'au moment où il sentira éventuellement qu'il pourrait gagner. Ouais. Là, vous allez voir comment le bonhomme va se conduire. Donc aussi longtemps qu'on en est à deux partout, trois partout, quatre, trois, comme ça. Mais quand on jouera pour la décision du set et éventuellement du match, sa bonhomie actuelle pourrait disparaître comme neige au soleil. Thank you.
Premier geste de motivation extrême. Moi j'adore hein, ces attaques de coup droit dans la foulée. Regardez la volée basse croisée, bien déposée. S'il vous plaît. Voilà. Ah, il est motivé, il est toujours aussi rose. Hein. Il n'est pas pressé, Michael Chang. Sur ce dernier revers, il avait possibilité d'aligner Connors le long de la ligne, mais en prenant néanmoins un risque, il a préféré lifter court très croisé, sachant que ça demanderait un effort supplémentaire à l'aîné des Américains, et sachant qu'à terme, toute balle remise dans le terrain, posant une difficulté à Connors, ajoutera à l'usure. Magnifique! Voilà! Du grand, grand, très grand Connor. Il a, dès le début de l'échange, réussi à accélérer, mettant Michael Chang en défense. Regardez-le, il est presque en grand écart. Toujours avec un peu de temps de retard. Formidable Connor sur ce point. C'est du tennis joué derrière en avant. C'est du tennis joué avec une balle quasiment plate, c'est du tennis qui avance pour ce qui est de la vitesse de la balle et bien sûr du mouvement du corps. Jolie aussi la défense là de, au ralenti proposée par Jean-Claude Échangé de Michael Chang. 40-30. Balle de 4 jeux partout.
Et bien voilà, voilà un point gagné sans trop d'efforts, après le gros effort consenti justement sur le point précédent. Et voilà, Connors qui revient à la hauteur de Michael Chang. 4 jeux partout dans cette première manche. Chaque joueur a perdu son service une fois. Il y a maintenant 35 minutes de jeu. Et vous voyez qu'à 4 partout, première manche, le public commence déjà à frapper dans ses mains. J'ai pas besoin de vous dire que le central est archi comble. Hein. Il ne reste pas un siège de libre. Trop de face, Michael Chang, sur son coup droit. Quand il cherche le côté fermé le long du couloir, de temps à autre, il lui échappe. Connors est bien mieux placé que lui en général. Il est... Ah, c'est quand même bien cette attaque encore là. Hein. Et c'est vrai, on l'a souligné l'autre jour dans son match contre Ronald Agenor. Personnellement, je trouve que Jimmy a progressé en coup droit. Il y a beaucoup plus de coups droits avant, quand il était avec sa vieille raquette toute ronde là. Il y avait quand même du déchet en coup droit. Là, il garde bien la balle dans le court et en plus, il l'appuie et c'est rapide et profond. Hein. Ça fait 0-30. Alors, sur la deuxième balle, qu'est-ce qu'il va faire, Jimmy? Il va attaquer, forcément. 15-30. Un peu précipité, c'est dommage. Oui. Mais Daniel, il faut se rappeler qu'il réussit d'autant mieux ses coups droits. Je pense, comme vous, que la raquette qu'il utilise maintenant l'aide un peu. Mais il réussit d'autant mieux ses coups droits que les coups droits à hauteur d'épaule, il les a toujours très bien faits et qu'aucun des deux joueurs qu'on a vu opposer à Connors, Chang ou Agenor, ne profite de la balle qui le gêne, c'est-à-dire le revers coupé court. Ça gêne Connors sur le coup droit. Et un certain Roger Vasselin, ouais, qui avait fait ça à merveille il y a quelques années, a battu Connors presque essentiellement sur ce coup et sur cette tactique. Oh, quelle profondeur d'attaque, superbe, 15-40. Ah, c'est sûr que Jimmy Connors, il ne faut pas le jouer comme le fait actuellement Michael Chang, qui lui envoie des balles sur lesquelles Jimmy peut s'appuyer. Et Roger Vasselin, quand il avait battu Jimmy, avait joué des balles, ce qu'on appelle des balles cotonneuses, sans aucune consistance, sur lesquelles eh ben, Jimmy était perturbé et sortait beaucoup parce qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur ses balles. 15-40. Et bien voilà Jimmy qui prend pour la deuxième fois le service de Michael et qui mène donc 5 jeux à 4 dans cette première manche avec son service à suivre. Intéressante situation. Oui, et ce que nous développions tout à l'heure est en train de se passer, c'est que Michael Chang n'est pas tant que ça en confiance. Sur le dernier jeu par exemple, il a reculé presque systématiquement sur chacune de ses frappes, il a joué très court. Et alors, en donnant en pâture à Connors des balles qui rebondissent au niveau de la ligne de service, liftées, donc qui montent à niveau d'épaule, alors là, il rentre dedans comme dans du beurre, il se régale, c'est ce que nous venons de voir. Et il est très content, Connors, regardez. Content et se motive de plus en plus, car s'il gagne le premier set, bien entendu, ça lui permet de se dire, eh bien, avançons. Bah, et alors, c'est bon, c'est une... ça lui permet de se mettre encore plus en confiance et surtout ça peut un peu jeter le doute dans l'esprit de son adversaire. Ça a déjà été un petit peu le cas là sur le dernier jeu, Daniel. Oui. Il n'a pas été très confiant sur le jeu de 5 partout à 4 partout à 5-4. Ouais.
Alors, Connors va servir maintenant. Et mène donc 5 jeux à 4 dans cette première manche. Je peux vous dire que là, la tension monte autour du central et que chaque point de Jimmy est vraiment très très applaudi quand ça n'est pas acclamé. Alors, différence entre le premier et applaudi. Partout. 5 attaques tout près de la ligne de fond. Des attaques qui sont variées. Il le fixe d'abord sur son revers et puis après il place une attaque suivie au filet avec un coup droit, sur le coup droit. Daniel, dont l'effet était à la fois coupé légèrement de haut en bas et surtout latéral, oui, de droite à gauche, ce qui a amélioré la trajectoire vers l'extérieur de la balle. Difficile à remettre en jeu. 30 ans. Alors maintenant, Chang devrait se préparer à attaquer. Il a une position d'attente très ramassée. Regardez, les mains sont très près du corps. Ceci pour tourner vite les épaules lorsque la balle arrive. La faute sur une balle jouée au centre que Chang a négocié en reculant. Et balle de 7. Balle de 7 pour Connors. Voilà, écoutez le public. Arrêtez, Daniel, vous n'avez pas le droit de vous prononcer pour un joueur plus que pour l'autre. Ah, j'ai rien fait, moi. On ne vous voit pas, moi je vous vois. Vous dansez de joie. Oh là, et ben voilà, première manche pour Jimmy. Jimmy, 6 jeux à 4 après 45 minutes de jeu. Et quand même, un tennis de Chang qui me déçoit un peu. Absolument. Il n'a jamais, en dehors des deux premiers jeux, il n'a jamais tenu Connors sans respect dans le fond du court, en utilisant ce qu'il sait si bien faire, c'est-à-dire ses balles courtes croisées, puis ses balles longues accélérées. Finalement, il a laissé jouer Jimmy Connors, oui, que le vieux lion ne demande que ça.
Ligne. Ce type de balle-là ne le gêne pas du tout. Alors, Villas, qui était le champion du monde des balles liftées hautes, s'est pris des raclées par Jimmy Connors, même sur terre battue aux États-Unis d'ailleurs, en pensant qu'on le gênait sur la balle qu'il avait à frapper à hauteur d'épaule. Pas du tout, ni en coup droit ni en revers, ça le gêne. Ce qui le gêne, c'est la balle basse. Formidable. Oh là 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 là, que c'est bien fait. Mais que c'est bien fait. Elle est à 10 cm de l'angle. Et ça met Chang à 0,30. Quelques supporters pour Michael Chang. Hein. Je trouve, Daniel, quand même que la qualité de la première balle de Chang est améliorée nettement. Il frappe plus fort qu'avant. Il n'en réussit pas encore beaucoup, mais il avance. Quand oui, oui, c'est sûr. Oh 15-30. Allez, il faut qu'il attaque, Jimmy, sur la deuxième. Oh, il n'a même pas eu besoin. Et si ? Oui, il l'a poussé. Il a eu besoin, parce qu'en avançant tel qu'il l'a fait avant même que Chang ne frappe la balle, il a compris, Chang, qu'il fallait jouer long pour ne pas se faire attaquer comme la fois précédente. Et il est allé à la double faute. Bien joué, Connors. Il a l'influence. Il a fait à Chang le coup que Chang a fait à Lendl. C'est lui qui mène le bal, il n'y a pas de problème, et Chang est débordé et n'arrive à placer aucune accélération. Voilà, Jimmy Connors qui prend donc pour la troisième fois le service de Michael Chang et qui mène une manche à 0, 6-4 et 1-0 avec son service à suivre. C'est pas tellement le scénario que nous avions imaginé, Jean-Paul. Hein. Des choses peuvent se modifier, mais pour l'instant, il faut bien le dire, c'est Connors qui fait le jeu en tête, et c'est pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Mais tout à fait. Ce qui m'étonne quand même, vous vous rappelez, quand il a gagné Roland-Garros, Chang avait une qualité absolument extraordinaire. Il avançait sur toutes les balles. Que ce soit les retours de service, que ce soit les coups dans l'échange, que ce soit les passing shots, il passait son temps à se promener à l'intérieur de la ligne de fond de court, venant même quelquefois au filet. Alors tout que maintenant, il est cantonné dans une espèce de jeu de défense qui se veut tactique pour déborder le joueur à droite et à gauche et le promener, mais qui ne suffit pas à déborder un joueur comme Jimmy Connors, qui est encore très rapide. Il faudra donc que Michael Chang se rappelle qu'il est capable de jouer très tôt, après le rebond, qu'il est capable d'accélération qui fatigue et qui surprenne, pour que Connors puisse mordre la poussière éventuellement. Mais s'il continue à se laisser faire comme tel, ah oui. Je suis étonné de cette qualité qu'il semble avoir perdue progressivement. Très passif, les dernières années, oui. Trop passif, Michael Chang. 6-4, première manche Connors, un jeu Connors dans la deuxième, service Connors. Ah, commence à sautiller Michael Chang, il trouve aussi qu'il est un petit peu lent, il trouve aussi qu'il est un peu en dedans, il a raison. Il doit sentir qu'il faut se réveiller. Les deux joueurs ont pensé que la balle de service de Connors était dehors. Et moi aussi. Il y a eu un temps d'arrêt observé par Chang.
15 à. En défense pendant tout l'échange. Exactement. Bien joué, Jimmy. Ah, il a pris l'ascendant moral aussi, hein. Complètement. Il en aura beaucoup réussi des attaques de ce genre, hein, en revers le long de la ligne. Et derrière, il n'a même pas besoin de volleyer, c'est vous dire à quel point c'est bien réussi comme attaque. Dit en début de match, Daniel, Jimmy Connors qui va maintenant faire un petit tour pour récupérer. Jimmy Connors n'a aucun intérêt à accepter l'échange longtemps. Il a intérêt à abréger parce que, à la fin du compte, et ce coup droit l'a révélé, il était fort bien joué ce coup droit, mais le placement était un peu incertain. Il a suffi de cela pour que la balle passe à 20-25 cm. Mais enfin, là, dans cet échange, Chong a joué plus long que sur les derniers temps. Oh là là, quel tennis, quel tennis. Il est allé la chercher, hein. Ah, épatant. Exceptionnel, Jean-Paul. Absolument, Hervé. Ah, pardon, Daniel. Un petit salut amical à Hervé Dutu, au passage. Il doit bien être en train de regarder ce match, car c'est un fan de Jimmy Connors. Toulouse. 40 partout. Oh, c'est formidable. Ah ouais, super. Bravo. Magnifique, parce qu'on a vu d'abord Chong menait l'échange et puis Jimmy plaçait un contre, et à ce moment-là c'était Chong qui était vraiment sous la pression, et puis pour finir ce superbe passing là de Michael Chong, superbe échange là. L'attaque sera un tout petit peu trop courte pour vraiment gêner Michael Chong. Vous voyez là, il était assez à l'aise sur son passing shot, ce qui est rare car Connors est le champion de la balle longue et de la précision sur ce coup. Ah ben voilà, c'est un service extrêmement profond, pratiquement sur la ligne, et Chong poussé à la faute. Alors ça, c'est également au niveau de la qualité de retour de service, il y a quand même une grande différence entre les deux, hein. Une différence à l'avantage, bien sûr, de Jimmy, hein. Et oui, il vient de se dire avance et joue devant.
On ne se le rappelle jamais assez, même Connors, qui pourtant ne... il passe son temps à avancer, c'est ce qui est si merveilleux dans son jeu. Dès qu'il peut, il y va. Il faut vraiment le rejeter loin derrière la ligne de fond pour l'obliger à jouer un coup en reculant. Oui, elle est faute, il y a la trace. Ouais, moi, je la vois d'ici. Hein. Il a le bon œil, Bruno Rebeu. C'est tout de suite parti sur sa droite, Chang. Mais cette volée n'est pas posée, elle est hyper contrée et accélérée. Regardez comme il va venir au filet et comment il va contrer ça avec la tête de raquette assez haute et un coup extraordinairement solide, bloqué, sans aucune défaillance. Et là, on a oublié le Connors, ce bonhomme, et un peu facétieux du début. Oui. C'est parce le Connors de toujours, parce qu'il pense qu'il va pouvoir gagner. Il y croit, là. Encore plus. Égalité, il a eu 3 balles de jeu contre lui. Et encore un peu petit pour reprendre ce smash. Égalité, Connors qui a effacé 3 balles de jeu pour Michael Chang. Malheureuse volée qui reste sur le câble. Regardez, encore une belle attaque. Et ici, un passing difficile à jouer. Hein. Mais cette volée est bien longue. Et là, il a voulu la poser. Hélas, trois fois hélas, elle reste contre la bande. Il en sourit, le filou. Belle extension, elle est profonde sa volée, hein. Et ah. Voilà, un jeu partout donc dans cette deuxième manche.
Voilà. C'est dans la tribune présidentielle qu'il y a un peu de circulation. Bien, alors, 6-4 Connor, c'est un jeu partout, deuxième manche. Chang au service. Des fautes dans l'échange alors qu'il n'y a pas lieu de les commettre, ça prouve pour le moins que Chang n'est pas au maximum de sa confiance et ça pourrait se traduire par quelques jeux supplémentaires de perdu. Alors, Jimmy aussi, il appelle Michael Chang, viens voir, j'ai... Oui. Voilà, ils s'arrangent entre eux. Et finalement, la balle de Chang est reconnue un peu trop longue par l'un et l'autre. Thank you.
Il a de bonnes jambes et ça lui permet de sauver cette balle de jeu, Michael Chang. Toujours en reculant ce coup droit et avec une position face au filet. Comme il joue en rotation en plus, ça le dessert considérablement. Troisième très long échange depuis le début du match et les trois longs échanges ont été perdus par Jimmy Connors. D'où sa volonté à réduire au maximum le nombre de coups échangés et à mettre KO Michael Chang le plus tôt possible. C'est sans doute l'une des toutes premières attaques en revers le long de la ligne que Connors a mise dans le couloir. Toutes les autres ont jusqu'à maintenant été payantes. Avantage Chang. Ça n'a jamais été un de ses très grands coups, le smash du Jimmy Connors, mais là il en rate un tout de même. Il n'est pas très très difficile car il n'est pas très long, il n'a même pas besoin de sauter. Finalement il se laisse écraser par la balle pour avoir mal ajusté les jambes et il perd un point important. De pousser un peu dans le dos, Michael Chang. Bravo. Superbe, hein? Bravo. Parce qu'on croyait l'échange terminé à une à deux reprises, et puis finalement, Chang, ici, on pouvait penser que c'était fini, puis à nouveau ici, et regardez ça, en pleine extension. Et c'est Jimmy qui est pris. Avantage Chang.
Et jeu Michael Chang qui mène donc 2-1 après un jeu particulièrement disputé où Jimmy Connors a eu à plusieurs occasions la possibilité de faire le break. 2-1 pour Chang, on se retrouve après une page de publicité. Et on la suivra avec intérêt cette finale. 40-15. 2-1. Chang, Connors au service. Jeff Connors, 2 jeux partout. Alors je vous rappelle, 6-4, première manche Connors. Et maintenant, 2 jeux partout dans la deuxième manche, avec à venir le service de Michael Chang. Sacha Distel, Francine Briot. Michael Chang qui mène 3-2 dans cette deuxième manche, mais c'est Jimmy Connors qui a remporté la première, 6-4. On vous propose un petit spot de la Fédération française de tennis en 30 secondes. Voilà, 6-4, Connors, 3-2, Chang, 1h21 de jeu, et Jimmy Connors au service.
Et les choses ne se sont pas encore véritablement renversées en faveur de Michael Chang, car Connors est toujours là au deuxième set. Quand je dis toujours là, il était bien là au premier. Et si au deuxième, il arrive à refaire la même chose, eh bien, ça deviendra compliqué pour Chang. Il y a eu quelques spectateurs qui ont sifflé, une dame qui s'occupe de la tribune présidentielle avec beaucoup de gentillesse. Elle s'occupe de placer vite les gens et du coup, elle est la dernière debout. Une nouvelle fois, la balle courte bombée de Michael Chang est tombée un peu trop court pour gêner Jimmy Connors, qui s'en repaît de toutes ces balles qui s'offrent à sa raquette d'attaque. Oh là là, 40-0. Ah, il ne réussit pas grand-chose. Non seulement il ne tente pas grand-chose, c'est Michael Chang. C'est le problème. Il ne tente pas grand-chose. Hein. La réussite pourrait venir avec la témérité, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il subit. Ben là, par exemple, au lieu de s'arrêter de jouer en reculant, il pouvait prendre la balle en charge, avancer à la manière de Connors et faire quelque chose d'intéressant. Et ça ne va pas très très bien pour le plus jeune des deux Américains, mais ça va formidablement bien pour l'aîné. Voilà, on dit toujours que oui, trois partout. Les Asiatiques ont des visages impénétrables. On ne sait pas si celui de Jimmy Connors à côté l'est davantage. Mais enfin, ça ne doit pas tourner tout à fait rond en confiance dans la tête de Chang en ce moment. Voilà ce qu'on lui demande de faire à Michael quand il y a balle courte, prendre sa chance, essayer de déborder. On n'a pas à lui donner de leçon, bien sûr, mais simplement à commenter ce qui pourrait être fait souvent. À l'affaire, il reste sur cette jambe droite, plantée là-dessus, à chaque fois, face au filet. Il se rejette en arrière et il fait des quantités de fautes. Énormément de déchets hein, dans son jeu. Tout à l'heure, c'était pendant la phase de publicité, mais c'est la deuxième fois que Jimmy Connors, en reprise de smash, réussit à passer Michael Chang au filet. Regardez. Il est vrai que le smash, alors, il est en plein centre.
puis c'était un smash deuxième balle de service, quoi. Ouais, c'était chose qui a été vraiment attaqué, vraiment frappé. Et on avance. Pas très bien ajusté, sans placement, un peu trop près. Il n'a pas pu glisser son coup droit le long de la ligne, avec ce coup légèrement coupé dans les deux sens, latéral et de haut en bas. Ça amène Michael Chang à mener 4 jeux à 3 dans la deuxième manche, d'une manière assez normale puisqu'il servait. Voilà donc, vous voyez, 44 minutes pour le premier set, 42 minutes de jouer dans la deuxième manche. 4 jeux à 3 pour Michael Chang, mais c'est Jimmy Connors qui va être au service. Et là, je pense, ce qui me préoccupe un peu, c'est que à plusieurs reprises, Connors a manqué des balles qu'il ne manquait pas dans le premier set, des attaques. On a vu notamment ce dernier coup droit qui est resté dans le filet. Juste, Daniel, mais rappelez-vous avant-hier soir, quand il commençait à faire ce genre d'erreur, on disait, logiquement d'ailleurs, que bien, la fatigue commençait à se faire sentir un peu, que Connors était moins précis, que ceci, que cela. Et puis finalement, après avoir eu quelques petits coups de défaillance, il revenait à chaque fois, et de plus en plus fort, jusqu'à nous faire complètement déchanter, ou chanter d'ailleurs, à la fin de son cinquième set, car il était à ce moment-là plus vif que pendant tous les sets précédents. En quelques secondes, pensez-vous qu'il a eu vraiment le temps de récupérer silence, de son match d'avant-hier? Oui, parce que c'est un athlète qui a une récupération phénoménale et il l'a eu de tout temps. C'est d'ailleurs pour une des raisons pour lesquelles il a une tant de longévité. Hein. Il sera fatigué parce que le match sera dur, mais il ne sera pas atteint. Ce ne sera pas les souvenirs du match d'Agena. D'accord. Alors, 4 jeux à 3 pour Chang, une manche à 0 pour Connors. Il a lancé sa raquette vers la balle. Mais c'est quand même la troisième reprise de smash que Jimmy effectue. Alors, il plaisante avec le ramasseur de balles, là. Il aura réussi un ou deux passing shots en début de match, Michael Chang, dans les deux premiers jeux, ce qui lui a permis de mener 2-0, mais depuis, il n'en a pas réussi un seul. Et c'est bien ça qui est un petit peu embêtant pour lui, parce que le retour de service et le passing shot sont quand même deux coups forts dans le jeu de Chang, et pour l'instant, il n'a pas particulièrement brillé dans ses compartiments. Il est premier service. Jimmy a fait une fois service volé, il s'est fait transpercer par un retour gagnant. Depuis, il reste au fond sur son service. Oh.
viendrait loin, celle-là. 30 ans. On imagine mieux quand on voit ce type de coup, Daniel, combien le joueur doit être précis dans son coup d'œil, dans sa lecture de trajectoire, dans son ajustement de jambe, dans le calcul de la puissance du coup pour la mettre à l'intérieur de ce rectangle, car dès qu'il y a une petite défaillance dans l'un de ces domaines, on peut faire une toile de 10 mètres, ce qui était le cas là chez Connors. Deuxième toile, le coup est enroulé. Oui, le bras n'a pas passé suffisamment librement. Il y a autant de coups d'épaule et de tronc que de bras. Et Jimmy embarque. Mais tout ceci, à l'origine, est dû par une mauvaise approche du jeu de jambes sur la balle. Ne nous y trompons jamais, le bras n'est que l'exécuteur de ce que les jambes commandent à la base du coup. Pour Michael Chang, et vous avez vu comment c'est tout de même Jimmy qui a pris sa chance le premier, alors que on a toujours cette attitude attentiste de Michael Chang qui se contente de distribuer jusqu'au moment où il se fait prendre par une attaque dans la foulée de Jimmy Connors. 40 à aurait-il le don de paralyser l'adversaire, Jimmy Connors, parce que Chang nous fait le même match que Agenor l'autre jour. Il avait, Daniel, tout à fait ce don. C'était vraiment la qualité première de son jeu. Il empêchait les autres de jouer. Néanmoins, quand on a le niveau de Michael Chang sur terre battue, il faut quand même, et on s'en est aperçu, prendre sa chance quand on peut le faire, parce qu'il y a bien des échanges sur lesquels il aurait pu faire quelque chose et où il n'a rien tenté. Alors là, ça convient complètement à Connors, ça. Balle de 4 jeux partout pour Connors. Eh oui. Oh, c'est super. Avec tout son poids, voilà, sur un retour, un service qui est admirablement placé. Un retour tout à fait approximatif parce que Chang manque de tonus pour aller sur cette balle. Et voilà. Comme il se lance bien dedans, comme il ne perd pas l'équilibre, comme il accompagne bien Jimmy Connors. La raquette poursuit une trajectoire décidée dès le départ de la préparation et ne varie pas d'un iota. Ah, quand même ! Ah oui, il a fallu un retour, pour une fois, un retour de Jimmy à l'intérieur du carré de service pour que Michael prenne un peu sa chance. Et il sait accélérer, Michael Chang. Mais oui, bien sûr. Ne décide pas souvent. Alors, voyez, dès que Jimmy est battu sur une attaque de Michael, il rend à son adversaire la monnaie de sa pièce. 15 ans. En plus, Daniel, il choisit à merveille la diagonale la plus longue, car il aurait pu attaquer aussi le long de la ligne côté fermé, mais là, il lui aurait manqué 1 mètre à 1 mètre 50 en longueur de trajectoire. Il a choisi la bonne trajectoire des croisés. C'est superbement joué sur le plan tactique. Thank you.
c'est phénoménal. J'enregistre, je mets sur cassette, j'achète un écran de 1 km² de surface et je projette dans toute la France pour que les jeunes regardent ça et on va faire des progrès formidables. Copier, copier, imiter et vous serez fort. Si vous êtes capable de prendre la balle tôt et de la centrer, il n'y aura plus de problème. Jeunes amis du tennis. 30 partout. Pan, ace, bonne réplique de Michael Chang. S'y attendait pas trop, Connors, là. Non. Il n'était pas tout à fait concentré et Michael l'a bien aligné, là. Oh ah, mais les attitudes. C'est génial. C'est la deuxième fois qu'il veut poser une volée comme ça. Et la deuxième fois que le filet s'interpose, mais de très très peu. Et ça fait jeu. Michael Chang qui mène donc par 5 jeux à 4 dans la deuxième manche. Mais encore une fois que l'attaque est belle. On eût aimé après un tel coup qu'il réussisse sa volée. Il en a manqué un petit centimètre car elle était parfaitement exécutée sur tous les plans. C'était une question de toucher tout simplement, il n'y a pas d'autre critique à faire. Oui Daniel, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça ? Je regarde le bébé avec son biberon là et je me dis quand même que il se fait légèrement malmener par l'ancien et que on pourrait à la limite se demander lequel des deux joue comme un ancien. Oui, mais ça c'est la qualité la première. Oui, la fougue de la jeunesse. La fougue de la jeunesse, elle est du côté de Jimmy. Elle n'est pas du côté de Michael. Ça, je suis désolé. Mais ça prouve bien que les quadragénaires sont des gens tout jeunes. C'est pour éviter un petit peu, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit quand même, vous exagérez un peu, de rappeler sans arrêt que Jimmy Connors à 39 ans est un vieux joueur. Alors, ce n'est pas un vieil homme, c'est un jeune homme, Jimmy Connors, mais il faut bien le dire, mesdames et messieurs, qui êtes un défenseur de Jimmy Connors, qu'à 39 ans, on est quand même considéré comme un joueur qui a de la bouteille. Ben oui. Même si on est tout jeune. Mais il y a des tournois à Wimbledon, vous avez le tournoi des plus de 35 ans. Oui. Change les balles après ce jeu. Michael Chang a allé au filet. Mais quel passing fulminant. 30-0. Passing fulminant.
On a l'impression d'être dans un préau avec des petits taurillons. Il en arrive même à ne plus centrer sa balle dans la raquette, mais il a ce coup magique. Il fallait le faire, ce lob, ouais. Parce que c'est aussi difficile qu'un passing shot et plus payant. Car là, Jack Connors, qui avançait comme un bolide, n'avait aucune chance. Bravo, Michael Chang. Il faut 35. Savoir que quand on est lancé vers le filet à la vitesse à laquelle Connors l'était, il n'y a pratiquement aucune chance de revenir en arrière quand la balle vous passe au-dessus de la tête à cette vitesse. C'est fort. Extraordinaire cette volée. Volée réflexe. Ça, c'est un grand point car Connors a joué à la perfection. Chang avait réussi à le repousser loin derrière la ligne de fond avant de venir au filet et les ripostes étaient toutes excellentes. Quel réflexe là. Ne s'y attendez pas, Jimmy. Ah non. Parce qu'il avait vraiment bien ajusté là, tout son temps pour jouer vraiment complètement le long de la ligne. Grand tas. Ah oui, il a trouvé la ligne sur le coup précédent. Il se met à tenter un petit peu plus là, Michael Chang. Et ça lui donne une balle de 7. Et comme on encourage Connors, c'est incroyable la cote d'amour qu'il a ici à Roland-Garros, bien plus que chez lui aux États-Unis. Depuis 3 points, 3-4 points, c'est Chang qui tente quelque chose et il sait qu'il mène 5-4, donc c'est le moment ou jamais d'essayer de piquer le service de Connors, parce que ça le ramènerait à une manche partout. Et là, Jimmy s'en sort avec une balle sur la bande et cette balle lui donne la possibilité d'égaliser à 5 jeux partout. Avantage. Nouvelle balle de 7 pour Michael Chang.
Il a cassé une corde, Chang. Et il est dehors. On a entendu un bruit sec, et après ça, un bruit de paillasson sur le deuxième coup. Et puis sur le troisième, alors la balle est sortie. Pas de chance pour Michael Chang. Tout à l'heure, à 40 partout, il y a une balle de Jimmy qui reste... casser une corde, et alors là, casser un pendant un échange, c'est comme si vous êtes aussi qui explosait, parce que dans sa tête, il se dit, ça y est, le cordage est détendu, je peux plus rien faire avec cette raquette. Et le point était pour Connors. Égalité. Obligé de prendre un risque sur son smash, car dans les trois derniers smash qu'il a fait, soit de voler, soit au rebond, et bien chaque fois, Connors a repris la balle. Donc là, il est obligé de chercher un angle. Nouvelle balle de 5 jeux partout pour Jimmy Connors. Il y a eu deux balles de 7 contre lui. Changez les balles. Et Bruno Romeu. Dans un minimum de temps, car là, il n'y a pas d'interruption. Alors, intéressant le moment que nous allons vivre. Si Connors parvient à se détacher à 2-7 à rien, il y aura du sport sur le central. Il y en a déjà, du bien beau d'ailleurs, mais ça va encore devenir plus... incisif. 15. Le passing fonctionne lorsque l'attaque est un petit peu trop courte. Là, Michael Chang parvient à bien enrouler son bras, à lifter suffisamment pour passer Jimmy Connors. Ligne. Pas malheureux quand même Connors là depuis deux jeux. Oh!
Et Jeu Chang qui mène 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche. Première manche, Jimmy Connors 6-4. Et là, Jean-Paul, quelques signes de faiblesse côté Connors. Mais vous l'aviez fait remarquer. Plusieurs fois, des attaques, soit être un peu court, soit sortir carrément, soit échouer dans le filet. Et là, vous avez vu cette dernière volée qu'il ne paraissait pas imprenable, hein, même non, si la balle était... retombe un peu derrière le filet. Non, non, il était sur la bonne trajectoire. Il était bien dessus. Ouais. Alors, quelques petits signes inquiétants. Le jeu suivant va être vraiment capital. Hein. Ou bien Chang égalise à une manche partout, ou bien Connors obtient le droit de jouer un tie-break. On est à 1h51 de jeu. Vous savez, la dernière volée que Connors a ratée est un peu comparable et assimilable à celle qu'il a ratée en volée de revers deux jours auparavant. Vous vous en souvenez, il était resté aussi sur la bande. Il était bien placé, il était sur la trajectoire, il avait un bon équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Simplement, l'inclinaison de la raquette, c'est-à-dire le toucher absolu qu'il faut pour mettre la balle à l'endroit où on veut, puisqu'elle a voulu la jouer courte et décroisée là. L'inclinaison de la raquette n'est pas au millimètre près ce qu'elle doit être. Et il y a faute, mais on ne peut pas critiquer l'avancée ou la mauvaise technique ou la bonne technique. Cependant, si cette inclinaison-là n'est plus tout à fait mathématiquement juste, il faut bien convenir que quelque part, il y a quelque chose qui empêche le coup de se faire mathématiquement juste et efficace. Donc, ce quelque chose, c'est généralement, forcément, la fatigue physique. Et peut-être quelquefois un peu de déconcentration, l'un étant allant de pair avec l'autre dans la plupart des cas. Mais le joueur peut récupérer, peut se reprendre, comme ça arrive sur les routes de France pendant le tour. Il y a des coups de pompe et puis on s'envole de nouveau. Voilà une autre illustration. Jimmy Connors, au lieu de lancer son bras en rythme, a contracté tout le cou et il a joué davantage avec les épaules qu'avec la raquette. La balle lui restait accrochée dans le cordage. Attention, ça fait 0-30. 0-30. Ce ne sont pas des points gagnés par Michael Chang, ce sont deux fautes directes de Jimmy Connors. C'est très différent. Cette fois, il est à 0,40, 3 balles de 7, c'est-à-dire comme il en a eu 2 déjà contre lui à 4-5, eh bien, il va jouer la troisième balle de 7 contre lui. Celle-là me paraît bonne, non? Non, elle est annoncée faute. Alors, Bruno Rebelli, laissez-moi vérifier. La balle est dehors, elle est dehors. Bruno Rebeu a vu la balle dehors lui aussi, donc ça fait jeu. Et deuxième manche pour Michael Chang. Et voilà, Daniel, qui est important dans le comportement d'un arbitre, c'est de ne jamais hésiter lorsqu'on dit au joueur, je vais aller contrôler la marque, il faut être sûr de savoir que c'est la bonne. Oui, la marque, Et une fois qu'on arrive sur la balle, on dit faute ou bonne, mais sans hésitation. Connors, qui est un râleur, n'a pas bronché. Pas du tout. C'est donc très bien arbitré de la part de Bruno Rebeu, que l'on voit ici sur sa chaise. Oui, c'est un excellent arbitre qui a la confiance des joueurs. Ça, c'est capital.